partir, désolé, OBS a planté chez moi. Encore une petite demi-heure de stream, et donc, je sais pas exactement à quel moment ça a coupé, mais le fragment qui a été choisi est le fragment de glace. Alors d'après mes notes, il est chez les Vikings à l'époque de l'Empire, donc c'est déjà pas dans cette époque-là. L'époque de l'Empire, c'est le présent ou le passé du coup? C'est l'une des deux, ça je sais, mais je sais pas si c'est le présent ou le passé. Pire, c'est le présent normalement. Bah vous, il nous a quitté, mais il s'est souvenu que quand il jouait à la PlayStation. À ce moment-là, j'ai vu tous les bombes, mais mon avis défiler devant mes yeux. Elle me suis seulement souvenu de quand je jouais à la PlayStation. Effectivement. Effectivement. Pas l'air d'être par ici. Par là. Wow, c'est quoi ça? C'est le reste de l'anomalie? Ok. Alors, ces Vikings, ils sont où? Ah, probablement par ici. Il va falloir trouver un endroit où je peux atterrir. Là, ici je peux atterrir. On va repasser par ailleurs, voyons voir. Probablement pas par ici, par... Attends. Labyrinthe, on va regarder. Pouvoir atterrir quelque part et interagir, je pense. Que c'est beau tout ce blanc, neige. Légèrement à l'écart, mais une autre époque. Ok, donc c'était pas la bonne époque. Très bien. Hop, donc c'était le présent comme je le soupçonnais. J'adore cette équipe. Hop. Ça va être celle-là du coup. Par ici, on avait dit une île légèrement à l'écart. Celle-là? Non, pas celle-là. Une île légèrement à l'écart. Non. De toute façon, c'est probablement là que je dois aller. Ah, allez, sort de là. Atterris, eh oh, quand tu veux t'atterris, hein. Oui, j'ai compris, j'ai vu ça trois fois dans le chat. Allez hop, du coup j'avais la bonne époque, j'ai fait des changements pour rien. Cool. Bookopter.exe a cessé de fonctionner. Lol. Allez. Ah, effectivement, c'est peut-être plus simple d'y accéder comme ça. C'est un peu plus direct, quoi.
Caverne gelée. Y a autre chose à côté? Non, j'ai... bonne question, est-ce que j'ai de la mana? J'en ai qu'un seul. Alors, oh un magilite. Bah, je crois qu'il n'y a pas des masses de grand chose d'autre à faire que de l'activer. Hein. Alors on arrive à quelle époque? Ok, on est au 16 bits. Oh. Ok, on s'est bloqué, ça on en est sûr. Bonjour. Comment avez-vous fait pour arriver ici? Je suis Olaf, le dernier viking. Mon peuple a disparu, les océans ont englouti notre village. Qu'avons-nous donc fait pour attirer la colère de la grande tortue? Ok. Probablement, on peut probablement péter la glace pour sortir. On repart avec toi. Attends que la barre se remette à zéro. Bon, c'est pas avec toi. Est-ce que j'ai pas quelque... Non, j'ai pas quelque chose qui pourrait marcher. Et de la glace, ça va pas marcher. Je peux reprendre le magie pour aller à une autre époque. On va tester. Pas de raison qu'on teste pas. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Ok, donc il n'y a pas le viking qui est ici. Mais on devrait pouvoir explorer la zone sans trop de problèmes. Et on va aller par là-bas. Bonjour. Il est rare de voir des étrangers ici. Vous êtes arrivé par le tunnel sous l'océan. On n'est pas de tête de troll pour l'instant. C'est toi le troll. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bonjour. Ça ne va pas considérer comme un guerrier viking avant d'avoir terminé votre stage d'initiation et nous ne vendons nos armes qu'aux véritables guerriers. Ok. Donc, il y a un stage d'initiation à faire. Très bien. Né pour combattre et vaincre, nos enfants s'entraînent dès le plus jeune âge pour devenir de grands guerriers. Ceux qui sont montrés de courage à la grande tortue obtiendront les vies infinies. Oh, des vies infinies, c'est bien les vies infinies. Bonjour. Je supervise la suite de l'étrange reconstruction du tunnel, blablabla. Bla, bla. Ouais, très bien. Ça par là, non? Bah voilà! Bonjour! Les hérétiques ont un jour affirmé que la grande tortue ne portait pas le monde sur son dos, mais habitait au fond des océans. Au fond des océans, avec les poissons. Nous les avons tous massacrés. Ok. Les deux nous ont laissé faire, ça veut donc dire que nous avions raison. Lol. Bonjour. Au commencement du temps, notre pays était entièrement recouvert d'eau, mais le dieu magie a créé la glace sous nos pieds pour que nous courions. Et il a aussi créé la grande tortue pour nous aider. Bonjour. Notre chef se prépare pour le tournoi annuel, vous pourrez l'affronter si vous remportez suffisamment de matchs. Pour vous inscrire, allez voir au comptoir. Moi, je vais voir le coffre qui est là. De la mana. Deux mana. Plus qu'un, on va pouvoir éveiller un des alliés. Cool. Enfin, auprès d'un gardien, bien sûr. Bonjour. Le tournoi va bientôt commencer. Ah, il faut faire le stage d'initiation en plus. Ok, bonjour. Balin, fils de Fundin, fils de Farin, fils de Borin, qui a... Eh ben, dis donc. Vous en avez eu des fils, hein, fils de machin... Non, non, pas de blague. Je n'ai pas de blague à ce sujet. Référence à Discord. Ah, possible. Bonjour. Solid Snail, vous ici? Quelle coïncidence! Alors, il va être spectaculaire, l'évasion du Colisée, j'ai été licencié. Je t'avoue avoir traversé une courte période de dépression. Mais merci! Finalement, grâce à vous, j'ai trouvé ma voie. J'ai essayé d'explorer le monde et rapporter le récit de mes voyages à la bibliothèque impériale. Ce sera l'œuvre de ma vie. Les voyages de Largo le Grand. Une référence là, mais là, à part l'Argo Winch, je vois pas vraiment. Non. Bonjour. Notre plan enfin prêt. Terminer la première étape du tunnel sous l'océan. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Dois inscrire au tournoi viking, oui. Ah, faut que je fasse une agilisation, c'est vrai. Prêt des générations, blablabla. Ouais. Oui. Ah! J'ai parlé deux fois, mais. Bonjour. Bon, sport, je monte aussi sur son dos, blabla. Bonjour. Certainement, oui. Attention, l'ingénieur en chef. Il va être séduit à cette heure-ci. L'ingénieur en chef, il est où? Il doit être chez lui, l'ingénieur en chef.
va refaire les maisons, hein. Et toi, l'ingénieur en chef? Supervise, oui. Blabla. Vous voulez passer par le tunnel? Normalement, ceux les vikings ont accès, mais si vous voulez prouver votre courage, je peux pas vous en empêcher. D'accord, merci. Très bien. Voilà, comme ça, ça s'est réglé. Tunnel time! Alors, Spotty Sparky. Allez. Pétage de méchant. Ouais. J'espère juste qu'il n'y a pas de puzzle de glace. Parce que sinon, ça va être la merde. Oh, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ok. Oh, bonjour. Aïe. Aïe. Non mais oh, espèce de sale jeune. T'as prendre le respect, moi, tu vas voir. Enfin. Allez. Droite. Oh, bonjour. J'ai envie de voir ce qu'il y a à gauche avant de lui parler. Pas de puzzle à partir de maintenant, que de la plateforme. Ah, là ça parle. Je sais quel truc. On s'excite pas dans le chat, juste simplement voir ce qu'il y a de ce côté. Voilà. Mais oh, aïe, 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 aïe. Oh, ça fait super mal. Ouais, mais si les grises vont pouvoir se reposer, j'aime quand elles peuvent se reposer. Pas mal des cœurs, toi. Ok. Non, 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 non. Tu ne mourras pas. Fuck. Bon, on va aller voir l'autre truc, hein. C'est bien aussi. C'est bien aussi d'aller voir l'autre truc finalement. Ça se trouve peut-être avoir un truc qui va nous aider par là. Putain, ils font mal ces enfoiros quand même. Hein. Ah, des cœurs, j'aime bien les cœurs. C'est cool les cœurs. Oh bah ça va, ils sont généreux en plus sur les cœurs. Bon, vous, je vous esquive parce que vous êtes rien que des méchants. Allez. Bonjour. Je sens venir le moment où la glace qui nous entoure disparaîtra. Alors je serai à nouveau perdu sous les flots, jusqu'à ce que je m'éveille à nouveau. Toi qui recherches le pouvoir sacré de la glace. Je vois que tu es éveillé, mais m'as-tu apporté ce que je demandais? Non, j'ai pas assez de mana. Ce n'est pas cela. Ok, donc il me manque de la mana. Et non, j'ai pas amélioré l'équipement, je sais même pas où ça se fait. Je sais même pas où ça se fait, donc non, je l'ai pas fait. Après, si vous voulez qu'on aille le faire, moi je veux bien. Hein. Moi je veux bien. Toujours partant pour une amélioration. Mais ça te tire chaud ces saloperies. Passé là où est la mine dans le présent. D'accord, et bon, on va y aller. En plus, on est déjà dans le passé, donc c'est littéralement un petit aller-retour. Ça, ouais, ça va être vite fait. Ça va être vite fait, ça c'est bien. Hop. Oui, c'est bon, je sais où est la mine. Ah oui, il faut reprendre le truc pour changer d'époque, évidemment. Évidemment. Hop. Hop.
retour dans le passé. J'y serais beaucoup passé dans cette île, mine de rien. Enfin, sur cette île, pardon. Voilà, ici. Forge des faces. Ah, d'accord. Pas ici, du coup. Bonjour. Inutile de venir me déranger, je n'ai aucune arme à vous vendre. Voyez-vous, je ne fabrique que des armes d'exception. Et pour cela, il me faut du minerai d'Oricon, le seul qui permette de fabriquer ces armes. J'en ai 6, bitch. Vous avez trouvé de l'Oricon? Laisse-moi vous forger un objet avec ça. Que voulez-vous forger? Faire l'épée dans un premier temps. Oui. 4 minerais d'Oricon. Ok. Le micro, j'en sais rien, pas cher. Épée en Oricon. L'épée ultime, vous ne trouvez pas plus tranchant. Bien. Est-ce que j'ai encore de quoi... Il reste encore deux. Est-ce que je peux forger? J'en sais rien. Une armure en Oricon, tiens. 5. Non, j'ai pas. Ceinture, peut-être? Ceinture, il en faut 2. Alors, on va faire la ceinture. Ouais, il est... Oui, ça va, il est bien, il me plaît. Il fait le taf, buddy, il fait le taf. Voilà. Il manque encore quelques morceaux d'Oricon. De toute façon, je pense que s'il faut tous les récupérer dans le jeu, j'en ai loupé quelques-uns, ça c'est certain. Bah, du coup, la ceinture, elle est équipée. Elle a l'air d'être équipée. Bon, voilà. Bon, maintenant, on va réessayer la grotte. Ça me paraît pas mal. D'abord, il faut repasser dans le futur, puis par le passé. Upgrade for the win. Ouais. Peut-être avoir plus de chances de passer maintenant. Boîtier d'acquisition pour la Wii U, il m'a coûté quelque chose comme une centaine d'euros, il me semble. C'est un poil cher. Bon, il y a beaucoup plus cher que ça, mais il fait le taf. Et c'est le principal. Allez, on va se refaire encore un petit trip dans le passé. Petit voyage. T'as vu, tu vois. Alors, il y a un épisode de Breath of the Wild demain. Oui, comme tous les... Oui, comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est équipé? Tiens, c'est une bonne question. On va aller équiper. Alors, là. Là, évidemment. Ouais, c'est bon, c'est équipé. C'est bon. C'est pas cher sans... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas le modèle le plus récent, peut-être pour ça qu'il est moins cher. Après, faut aussi dire que j'ai pas des moyens de ouf, donc du coup, c'est vrai que 100 euros, c'est quand même une dépense relativement conséquente à mon échelle. Allez, on va réessayer ça maintenant qu'on a une épée qui pique pas trop des hannetons. Vilain là. Et oh! Bande de pout! Et pout, et pout, et pout, pout, pout! Non mais oh! Vous apprendre le respect, moi vous allez voir! Bande de sales jeunes! Alors vous, je vous esquive parce que vous me cassez les noix.
Oh, ça c'est joli. Alors, on esquive bien tout ça. Voilà, parce que vous êtes rien que des méchants, les mobs, hein. Épée pique, mais pas des hannetons. Effectivement, c'est pas piqué des hannetons. Alors, qu'est-ce... Oh, une échelle. Il y a des échelles, les gens vont pouvoir grimper. Hop. Caverne de la Noria. Sérieux? Que Johnny l'a déjà entendu parler de cet endroit, mon PPD. Que si Johnny se trompe pas, que ce sont les cavernes de la Noria. 100 balles qu'on affronte un Balrog à la fin. Les cavernes de la Noria? Oui, que les cavernes de la Noria... Tu entends ça, Velvet? Les cavernes de la Noria? C'est quoi juste les cavernes de la Noria? Que ce sont d'anciennes mines, mon PPD. Que jadis, des champis du royaume champignon y avaient établi un camp de vacances naturiste. Oh god. Oh god, non, 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 pas d'image comme ça en tête, pas d'image comme ça en tête. Qu'en effet, la basse température et la fortibilité sont idéales pour ces êtres fongiques. Comme ils ont trop creusé, trop profond, et qu'ils ont réveillé ce qui aurait jamais dû l'être. Le grand troll vicieux. Accompagné de son peuple troll, il a envahi les cavernes, et que Johnny préfère pas vous raconter ce qui est arrivé aux champignons. Que depuis, rares sont ceux qui se sont aventurés dans cette grotte, hormis que quelques fous téméraires. Que Johnny, il aurait préféré ne pas avoir à passer par ici. Que rester sur vos gardes. Tu ne laisseras pas te capturer, hein, Mabou? Je n'ai pas peur. Des cavernes remplies de trolls, j'en vis tous les jours. Ouais, alors ça, je demande à voir. Hein. Alors, platforming time. Mais oh, bande de sales jeunes. Oh, triple cœur, j'aime quand on a triple cœur. Des taux de nudistes, ouais, ça c'est le genre d'image qui va te rester. Hein. Mais tu te demandes quand même ce qu'ils enlèvent pour faire des trucs nudistes, les taudes. Quoique, non, j'ai pas envie de me le demander. Hein. Genre de question, tu ne veux pas savoir. À des moments, tu dis non, finalement, j'ai envie de rien savoir, de rester ignorant comme ça. Hop. Yeah, point de sauvegarde, tas de bitches. Alors, on tombe pas dans les pics parce que les pics ça fait bobo. Mais ils sont malades, et les pics ça me fait bobo. Couché. Pièces. 4000 pièces quand même. Ils enlèvent leur chapeau. Hein. Donc ça veut dire qu'ils se baladent déjà à poil dans le royaume champignon. Mais ils sont dégueulasses. Oh shit. Bon, si quelqu'un tient le compteur des morts, on a encore fait plus 1. Alors n'hésitez pas à me dire on en est à combien. J'avoue que j'ai un peu perdu le... J'ai un peu perdu le compte. XP, ni d'XP. Ou en plus, on est pas loin de prendre un level là, les gens. On va le prendre. Level up! Yes! 32 de défense et 102 de points de vie. Nice. Bienvenue. Oui, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, c'est vrai. Bienvenue au pays de Garlic Kid, c'est vrai. Boum. Oh shit. Tu tombes pas là-dedans, t'es gentil. Tu seras responsable des cauchemars liés au taux que tous les gens de ce chat feront cette nuit. Désolé. On dirait que le pont était détruit. Qu'à la vie de Johnny, il doit être possible de passer en dessous. Regarde cette jolie créature là. Les trolls m'ont trouvé! Que prenez garde, qu'ils sont cachés et très rapides. Oh, qu'elle est jolie avec sa peau rugueuse et son joli teint. Je suis sûr qu'elle plaira au chef. Babou, ne laisse pas m'emporter vivante, je t'en supplie. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est ses muscles bien développés. Quelle courbure, quel délice. Je savais bien que tous ces heures passées à la gym aient porté leurs fruits. Allez, on l'attrape. Attention, mademoiselle Fina, que les voilà. J'en étais sûr. J'en étais sûr que c'était à lui qui faisait référence. Quoi? Mais revenez! C'est moi la jolie créature! Oui, je voulais dire, vite Babou, allons aider Ménos! Je n'avais pas imaginé ce que le grand troll vicieux va lui faire!
Ouais, mauvaise idée. Fuck. Ah, oh, il tue en deux fois. Mais bon, 91. Même pas sûr que ce soit par là. Attends, on peut pas descendre par ici. Plus safe. Oui, c'est plus safe par ici. Et en plus, il y a un point de sauvegarde. Mais que demande le peuple? Voilà. Nice. Oh, j'ai tellement failli tomber dans la lave. Oh, j'ai tellement failli prendre cher aussi. Oh, deux points de vie, fuck. Oh merde. Hop hop hop. On va attendre tranquille ou poète poète. Que ça recharge. C'est quand même que deux points de vie. S'il passe de l'autre côté. Ok, oh. Ceci ce serait pas un truc, ça ce serait pas un truc à la Donkey Kong des fois. Oh god. Vas-y balance tes rochers. Ok. Ah oui c'est vrai que j'ai plus Menos. Fuck. Genre. Voilà. On est pas mal. Ouais. On va prendre nos distances parce qu'on en a besoin. Très bien. Merde. 92. 9-2 RPZ. Ah, il fait super mal ce truc. Il fait super mal le bout de bois. Très bien. On est pas mal. On est bien. Ah, j'ai oublié que tu pouvais pas te baisser. Putain, 22 points de vie encore une fois. Oh, des cœurs, yes. Très bien. Vas-y, fais le tour. Hop. Trollo Inar, oui, ça j'avais compris. Nope. Très bien. Ah, fuck le timing. Hey Dradeo suit la chaîne, merci à toi. Excellent. Ah et puis là on aurait besoin de Menos donc on peut pas vraiment. Alors. Attendez. Vous montez, moi aussi. Ok. Yeah! Point de sauvegarde, bitches! Bonne journée! A plus! Ah l'enfoiré! Bon, écoutez-moi bien, notre saloperie radioactive, voilà! Ah, ça fait vraiment du. Je me demande si le truc, ce serait pas une bonne grosse référence à Volgar le Viking. À Volgar the Viking. Vu tous les trucs qu'il y a, je serais pas surpris. Eh, hey, ravi que le live te plaise, Radeo. Le meuble carré l'ascenseur avec toi pour te latter la gueule après. Bon, c'est une technique comme une autre, hein. Oh, putain de saloperie de slime de mes deux. Là. On me les brise. Avec un Z au lieu d'un CCD. Ah, ah, oh. Ça passe 30 kilos comme ça. Fuck, 93. Voilà. Boum. Bien sûr, on a touché l'armure, sinon c'est pas drôle. Oh, mais genre, ils arrivent à me toucher avec ces saloperies, quoi. Voilà, là on est bien.
donne des cœurs. Oh. 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 94. Joie. Joie, joie et joie. Bon, allez, dernier essai pour aujourd'hui, 95. C'est bientôt l'heure de se quitter. Allez, balance tes saloperies. Attends, je vais pouvoir le geler. Nope. Voilà. Allez, mourir les connasseries de trucs. Ah bah voilà. Bon. Et ben ce sera pas aujourd'hui qu'on aura le quatrième fragment, les gens. Je pense qu'on va se quitter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu à ce live. Bon, malgré le petit souci que nous avons eu il y a quelques minutes, mais bon, ça c'est un petit peu, comment dirais-je, les soucis du direct. Enfin bon. Du coup, je vous remercie d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, moi je me suis bien amusé. On a bien progressé, ça fait plaisir malgré les maux de tête et les situations un peu relativement boub. En tous les cas, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain, pas de stream demain, je vous le rappelle. Pas de stream demain, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain à même heure pour espérer finir le jeu, parce qu'il ne reste plus que deux fragments, et je crois qu'après c'est le boss de fin. Donc avec un peu de chance, dans ces trois dernières heures, on devrait pouvoir terminer le jeu. Et en fonction de l'heure à laquelle on termine, on pourra peut-être enchaîner sur le 1, mais je vous garantis rien. Voilà. Encore merci d'être venu, encore merci de votre soutien. Bonne fin de week-end. A plus.